Cloc-cloc-plan. Cloc-cloc-plan. Voilà. Donc voilà un peu. Ok. Donc, partagez le direct parce qu'aujourd'hui, nous sommes au tribunal. Voilà. Nous sommes au tribunal. Je viens, je vais prendre... On est au tribunal. Oui, je suis un peu fatiguée. Donc, c'est simple. Vous savez qu'elle n'aime pas trop me maquiller. La procureure Gamazouda, appelez-moi procureur Gamazouda. Voilà, j'ai porté mon écharpe de procureur et de juge, avocat. Je suis tout en même temps ce soir. Et non, je suis le procureur juge. Et vous êtes, il aura les avocats des accusés et il aura l'avocat de la victime Clocopan. Clocopan, voilà. Aujourd'hui, c'est le procès de Clocopan, voilà. Donc, dans ce procès qui est aujourd'hui, Clocopan accuse la famille Provelo. La famille Provelo Familito. Voilà. Donc, Clocopan accuse Provelo Familito de maltraitance. Clocopan. Voilà. Elle accuse Provelo Familito de maltraitance, de négligence, où elle fut tombée sur un goudron, où elle a été ramassée par une étrangère. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien traitée. Voilà. Voilà. Donc, dans mes directs, je ne suis pas responsable de vos écrits. Voilà. On parle de ce qui nous regarde. Voilà. Voilà un peu. Donc, ce soir, vous allez intervenir. Et pour intervenir, Clocopan, tu ne la connais pas? Nous, on la connaît. Le peuple de Congo, ça connaît Clocopan. Parce que j'ai été interpellée, j'ai reçu des plaintes que Clocopan réclame son papa, Monsieur Pente. Clocopan réclame son papa, Monsieur Pente. Donc, du coup, elle est accusée de maltraitance. Elle veut retenir chez son papa Pente. Voilà pourquoi on l'appelle Clocopan. Clocopan, c'est la fille de James Bond Pan. Voilà. Donc, Clocopan veut retourner chez James Bond Pan. James Bond Pan. James Bond. James Bond Pan. Donc, voilà. Donc, partagez le direct pour qu'on puisse suivre ce procès. C'est un procès qui n'a été jamais vu sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on fait les procès. Donc, Madame Gamazouda que je suis. Voilà, Madame Gamagouza, ils sont arrivés au tribunal de Vert-Civial à Lyon. Voilà, donc on va faire le procès. Partagez. J'attends impatiemment les avocats de Popoplan, donc vous pouvez cliquer là pour intervenir directement. C'est-à-dire, si vous voulez faire un appel vidéo, il n'y a pas de problème. Je ne comprends rien, ou bien c'est parce que je ne suis pas concentrée. Attendez, je prends position. Ah, ma chérie, il faut te concentrer, tu vas comprendre. Voilà. Parce que si tu ne connais pas Clocopan, c'est que tu ne connais rien. Clocopan, tu ne connais pas Clocopan. Clocopan, la star. Tu ne la connais pas. Clocopan, c'est une star. C'est la fille de Monsieur Pan. Clocopan, c'est la fille de Monsieur Pan. Voilà. C'est la fille de Monsieur Pan. Monsieur Pan était avec la famille Povrolo, avec Povrolo Familito. Voilà. Je vous explique l'histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Donc, Coco était Monsieur James Bond Pan
aller faire les fiançailles avec madame Povrolo Familito. Voilà. Voilà. Monsieur, je vous explique bien. Monsieur James Bonpan allait faire les fiançailles avec madame James, avec madame Povrolo Familito. Oui. Madame Povrolo Familito, c'est une dame qui n'a rien, qui s'en va porter les habits de quatrième main de Paris avec les marques à l'intérieur, et elle dit que elle est trop riche, voilà, elle a l'argent, tout ça. Donc monsieur James Bond allait marier la famille, allait marier madame Povrolo Familito. Dans madame Povrolo Familito, pendant les fiançailles et tout ça, parce qu'on attendait un mariage, voilà, et il est né une fille. Il est né sur une fille. Il est né. Sylvia Leslie dit que tu as fait amour sur tous les blogueurs. Et c'est ta cousine du village qui a témoigné. Bon, on va parler de ça et puis je. Voilà. Si Leslie dit qu'elle a fait amour sur. Comment on appelle ça? Sur les blogueurs là. Elle dit qu'elle a fait amour sur les blogueurs. Elle a montré vos fous. Elle a vous-même là. Vous savez que quand Sylvia casse les papos, elle casse ça avec les preuves à l'appui. C'est pas les choses des bavardages. C'est pas les choses des bavardages. Vous comprenez peu. Quand tu casses les papos, tu montres la photo de la cousine en question. Voilà. Est-ce que dans votre lieu direct là-bas de l'Estie, là, est-ce que vous avez vu? Attendez, je n'aime pas au téléphone. Je vais voir si c'est elle et puis je vais son direct. Quand on finit le procès, elle va commencer sur elle. Est-ce que dans... On va faire le direct même demain. Là, on met ce qu'elle dit là. On va mettre et puis on voit. Est-ce que vous avez vu les preuves? Quelqu'un se lève, raconte. J'ai parlé comme elle, non. Quelqu'un se lève, raconte que Sylvia a marabouté les blogueurs. Depuis quand moi j'ai commencé, mais attendez, parce que je suis arrivée, je l'ai vue, ça m'a fatiguée. En fait, non. Depuis qu'ils sont arrivés là, Leslie là, que vous voyez là, elle a commencé à avoir une vue, deux vues, trois vues. Donc, elle est étonnée que j'ai beaucoup de vues. Voilà. Donc, laissez. Voilà, elle n'a pas de vues, donc elle est étonnée. Quand vous regardez. Tête de Leslie là, une fille comme ça, on peut l'envoyer chez Marabout. Quand vous regardez, demain on fait le direct de Leslie, laissez demain on fait le direct de Leslie. Aujourd'hui, c'est le procès. Elle n'a pas dit qu'elle ne me fabrique pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne suis rien. je ne donne pas la star manée à quelqu'un. Demain, elle n'a plus parlé d'elle. Je la prends en vie couchée. Voilà. Laissez-la boyer. Elle n'a rien su ma vie. Des gens sont assis. Ils n'ont rien sur ma vie. Ils ne savent pas dire. Ils ont fabriqué. Maintenant, ils ont fabriqué, ils ont déposé. Elle va venir bailler. Demandez-lui qu'elle mette les preuves. Demandez-lui hein, qu'elle mette les preuves. Demandez-lui qu'elle mette les preuves. C'est ce qu'on demande. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein? Quelqu'un qui a appelé Sylvie, elle dit que je vais fabriquer sur toi. Vous-même, j'ai mis la capture ici. J'ai bien mis la capture. Puis la fille dit, je vais fabriquer sur toi. L'enregistrement, j'ai mis ça ici. Vous n'avez pas entendu. Enregistrement, j'ai mis ici où la fille dit, je vais fabriquer sur toi. Je vais fabriquer ma peau sur toi. J'ai mis ça ici. Vous n'avez pas entendu. Donc, c'est quoi qu'il vous donne? Vous voyez, des gens sont en train de... Au moins de faire un direct. Et puis, je n'ai pas envie de donner de l'importance à cette fille-là, en fait. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de donner de l'importance à cette fille. Donc, je n'ai pas joué sa note vocale dans mon direct. Parce que, comme je l'ai dit... C'est même pas ma camarade. Des jeunes, Leslie vient s'asseoir. Leslie qui disait hier, yeah, même pas loin avant, hier là que, oh Sylvia, que non, moi je suis rien, elle peut pas me fabriquer. Dans quel coup? Une prostituée peut me fabriquer, moi. Elle, c'est une prostituée, les preuves sont là, et vous êtes témoin de ça. C'est ça. C'est une prostituée qui est assise actuellement. Ce que ça nous fasse mal. Quand on dit qu'elle a prêté habit de sa camarade, vous tous avez vu. Vous avez vu, j'ai dit que mettez ça dans votre tête. Il n'y a pas un de mes parents
qui a venu s'asseoir sur les réseaux sociaux pour témoigner contre moi, il n'y en a pas. Vous avez compris? Parce que ma famille me soutient. Ils sont là pour moi. Même protection juridique que je vais prendre là, c'est la soeur à ma maman qui est ici qui dit, ma fille, je suis prête. Je vais dire, elle n'a qu'à attendre d'abord. Je vais avoir mon assurance pour ça. Bon, mettez ça vous en tête. Ma famille là, ils ne peuvent pas se salir sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ne peuvent pas. Des gens fabriquent des... Mes amis à moi avec qui j'ai fait le lycée. Quelqu'un dit, je viens dire, on a dit, oh, Sylvie, j'étais accessible à rien. Ma grande soeur est là, ma grande soeur. Mon fils vit chez elle. Je n'ai pas envie de montrer ma famille aux gens. Vous voyez un peu. Le jour qu'elle me montrait ma grande soeur, elle dit, ouais. Parce que ma grande soeur, elle a le style. Même ma grande soeur qui est décédée, perd son âme. En 2007, en 2008, avant ses 30 ans, elle roulait en Range Rover. C'est pas amusement. Je protège ma famille. Donc, je ne les expose pas sur les réseaux sociaux. Même pas. D'accord? Des gens, cousines, je ne connais pas le village de mon père. J'y suis allée une ou deux fois. À quel âge? Je suis allée dans le village de mon père en tout dernièrement là. En 2000 quand même. En 2014, 2013, avant cela là. C'est là que j'ai vu le village. J'ai mis pied pour la première fois dans le village de mon père. Ça y est, ils ne croient pas mon histoire. Quand je parle à mon père, plus. Il tape dessus. Sinon, je ne connais pas le village de mon père. Voilà. Je ne connais pas. Mon père, il a été enterré à Mans. Ça va. Il y a longtemps, je vous dis ça. Mon père a quitté son village depuis 1978. Oh, là-bas. Il n'a pas encore fait enfant. Et puis, il a quitté son village. Donc, de quels parents de village on parle? De quelles cousines de... On ne connaît même pas là-bas. Voilà. Ma cousine que je connais là, côté papa là, elle n'a pas grandi au village. Elle n'a pas grandi au village pour dire que moi, ça sort au village pour raconter moi ma vie. Jamais. Donc, à quel moment moi, ici, même village de ma maman où j'ai dit j'ai grandi là, j'ai quitté le village de ma maman à 5 ans. Et je... Le téléphone est déchargé. Attendez, je vais aller prendre la multiprise. Je reviens, hein. Parce que le procès de Croco, là, vous avez transmis ça en autre chose. Je reviens, j'allais prendre la multiprise. Et puis on continue le procès de Croco. Ils ne comprennent pas parce que depuis le peu de temps que je suis venue sur les réseaux sociaux, c'est de Sylvia qu'on parle. Mais laissez-la dire que... Attendez, je cherche. Hey, j'espère que je n'ai pas laissé ça dans la voiture des... Hey. Je trouve ça. Monsieur Troquet, j'ai comme l'impression que mon sac là vole les têtes des téléphones là. J'ai comme l'impression que mon sac là vole les têtes des téléphones. Comment ça est là? Attendez, hein. Je vais mettre le téléphone en charge et puis on commence. Je ne suis pas une petite fille qui a traîné. Peut-être que vous ne savez pas. J'ai connu la galère, mais ma galère était chic. La preuve en est que j'ai montré mes anciennes photos. Quand je dis dans ma galère, c'était une bonne galère. Voilà.
Ils sont venus raconter ici que Sylvia est à Yopougon. Et je vous ai montré par mes photos que je n'ai jamais fait Yopougon. Je n'ai jamais habité Yopougon. Yopougon, c'est une belle commune que je respecte, mais je n'ai jamais fait Yopougon. Voilà. Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà, ça va maintenant. Je n'ai jamais fait Yopougon. Donc, je disais, j'ai eu 5 ans et puis j'ai quitté le village de ma mère. J'ai grandi chez les Baoulés. Ma ville natale, Dioko, là, je ne connaissais même pas Dioko comme ça. C'est-à-dire quand je dis je m'en vais en vacances au village, je traverse Dioko et puis je m'en vais au village chez ma mère. Dans le village de ma mère. Cherchez encore, vous allez trouver. C'est là-bas. Je fais mes 2 mois, 1 mois de vacances. Et puis, je retourne chez les Baoulés encore. Donc, à quel moment j'ai fait le village de mon père et puis on me dit que j'étais jusqu'en le vieux temps. Hé! Hey, celui qui connaît mon père ne peut pas dire t'es. Jamais. Cherchez encore. Celui qui dit je connais la famille de Sylvia et puis dit non, c'est les t'es là. C'est un grand menteur. Oui, mon père est un t'es, mais son t'es à part. On est les seuls qui portons ce nom-là. C'est moi, mais j'en ai le nom qu'il a mis. C'est un thé. Mais le nom qu'il a mis là, tous ceux qui ont fait, ils vont dire, ah, la fille a dit la vérité. Le nom qu'il a mis là, c'est moi, mais j'ai enlevé parce que il met thé, temps, et puis il met notre nom. Thé, temps, et puis il met notre nom. Donc, le nom qui est au milieu là, je l'ai enlevé. En reconnaissance de mon père, je laissais thé. Sinon, ceux qui connaissent mon père vont jamais vous dire que ah, la fille d'été, jamais. Ils vont voir, je vais vous dire, ah, la fille d'été, jamais. Cherchez encore le nom de mon père, bien. J'ai noircé 2 jours, non. C'est Paris, là, non. Je suis à Paris, mais c'est pas lavé là-bas. Donc, j'ai noircé un peu, mais laissez. Je suis revenue, j'ai fait mon chat ici, il est bien classé. J'ai fait 2 jours à Paris, je suis partie à Paris, je ne devais pas dormir là-bas. Et puis, j'ai dormi. Vous avez compris? Donc, cherchez encore. Il va vous mettre au travail. Cherchez encore. Voilà une lesbienne. En fait, de laisser le. Hein, augmenter, en fait, le conseil des propos. Voilà une lesbienne. Une fille qui se prostitue. Une fille qui a eu les papiers en Europe. Mais au lieu d'aller travailler, elle préfère vendre son nien. Toi, tu as parlé de moi. Tu penses qu'on est la même chose. Tu n'as rien à dire. Que oui, elle va marabouter. Va marabouter aussi. On va voir si ça prend sur tout le monde. Va faire un poteau aussi. Quand tu pars, il faut envoyer les preuves. Toi, tout le monde sait que tu vas te prostituer en Chine, en Suisse. Et tu as confirmé. Tout le monde sait que tu es lesbienne, tu lapes con et puis tu baisses. C'est ça qu'il s'agit. Tout le monde sait que tu es une prêteuse. Malgré ton genre, tu prêtes à ton âge. Et ça, on a vu. Et c'est ça qui est la vérité. Tambri. Ça, on a vu. Et c'est ça qui est la vérité. Tout le monde sait que tu n'es pas capable d'acheter une belle perruque comme pour Sylvia à 500 euros. Tu n'as pas les moyens de ça. Tout le monde sait que tu es une pauvre lot qui va toujours commander partout où elle passe. C'est ça qui est la vérité. D'accord? C'est ça qui est la vérité. Donc, quand tu dis que oui, Sylvia envoie photo des blogueurs, je voudrais que tu apportes des preuves pour être crédible. Parce que si moi, aujourd'hui, on croit en moi, c'est parce que j'envoie des preuves crédibles et qui ont boosté. Mes preuves étaient tellement dures et vraies que les gens n'arrivent pas encore à digérer ça. Les gens n'arrivent pas encore à digérer mes preuves. Donc, même on voit, hey, ils te donnent l'ordre de mettre les preuves. Mais on voit, ma chérie, tu gueules seulement que dans la bouche. Tu pilles seulement que dans la bouche, idiote que tu sois, va travailler. C'est ça qu'on te demande. Je vous dis d'aller, je te dis toi, à toi, un bécassil, va travailler. Ma compte t'a pas donné papier là pour que tu puisses aller te prostituer en Suisse. D'accord? Ma compte t'a pas donné les papiers pour que tu puisses aller te prostituer en Suisse. Viens prendre exemple sur moi, c'est important. Ne me jalouse pas pour rien. D'accord? Ça, c'est le procès de Coco. Donc, on a mis ça. Coco.
Ne me jalouse pas pour rien. Je ne suis pas la responsable de tes échecs ici en France. Où tu as les papiers et puis tu n'arrives pas à faire quelque chose. D'accord? Ok? Ça te va? Ça te va? Une fille qui se dit que oh, elle est star. Vous savez, tu veux être star. Tu veux vivre la vie des stars. Mais tu es pauvre. Moi, Sylvie, je ne peux pas me prostituer et être tapée pour toi. Jamais. Partout où je passe, je brille. Même sur Facebook, je l'ai vu. Sans me faire bruit, je l'ai vu. C'est mon étoile à moi. Je suis verte et je mûris partout. Celle qui a mûri dans le désert, c'est moi. Celle-là même qui allait dans le désert du Maroc et puis Dieu l'a élevée, ramenée à Cana et puis l'a élevée, c'est moi. C'est ma bénédiction à moi. Et ça, personne ne peut l'arracher. Souffre encore. Parce que quelque chose de grand arrive. Mon élévation arrive. Souffre encore. Parce qu'on va parler de Sylvia encore. Les télévisions vont parler de Sylvia encore. Souffre. Est-ce que tu connais Dieu? Quand Dieu veut me bénir. Quand Dieu veut me bénir. Quand Dieu veut me bénir. Demande, ils vont te parler. Quand Dieu veut me bénir. C'est comme si je coupais de l'oignon. Tu vois quand tu coupes l'oignon là, non? Et puis tu pleures. C'est comme ça mes bénédictions sont. C'est comme ça mon élévation. Hey, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. Et il y a des gens qui vont me suivre bientôt. Oui. Dieu m'a mis quelque part pour m'élever. Pour montrer sa gloire. Bloquez les têtes de moi, s'il vous plaît. Bloquez-les. Bloquez-les, s'il vous plaît. Dieu m'a mis quelque part pour m'élever. Et tu verras. Bloquez les têtes de moi, s'il vous plaît. Tu verras la gloire de Dieu. C'est là que, peut-être à travers moi, beaucoup vont croire en Dieu. Et c'est mon devoir. Et après ça, je vais continuer à prêcher le travail aux gens. Je vais motiver les gens dans le travail et ne pas désespérer. Je vais motiver les gens à ne pas se prostituer comme toi. Parce que tu n'es pas un exemple sur la toile. C'est pour des gens comme toi, une prostituée qui a les papiers, mais qui refuse de travailler. Et qui veut sur la caméra, sur Internet, se dénuder pour pervertir la jeunesse que je suis là. C'est à cause de toi. Oui. Parce qu'en jour d'aujourd'hui, la jeunesse n'a pas besoin des gens comme toi. Des gens sans cervelle, des gens sans personnalité, des pauvres lotes, des idiotes qui ne peuvent pas apporter un plus. C'est à cause de toi que je suis là. D'accord? Et tu verras. D'accord? Ça te fait mal. Ça te fait mal parce qu'au jour d'aujourd'hui, partout on passe, on parle de Sylvia. Mais reste tranquille. Le nom de Sylvia, t'es avec Sylvia là. Ça ne va pas rester que sur Facebook, mais ça va aller au-delà. Commence à souffrir de ça. Commence à souffrir de cela, de ça. Parce que je suis née pour être grande. Je suis née pour faire de grandes choses. Bloquez-moi la tête de moi. Admets, tu es là, tu as dit partager. Il faut bloquer. Bloque-moi. Oh. Bloque-moi la tête de moi. Bloquez-moi la tête de moi. Vous avez compris? Ceux qui ne m'aiment pas m'aimeront demain. Et c'est ça qui est ça. Vous n'allez pas, mais vous allez suivre. Voilà. D'accord? Donc ce soir, laissons cette fille-là, demain, on lui fera son procès à elle. Voilà. Donc ce soir, comme je l'ai dit, accusé, pourquoi pas accuse, maintenant qu'on est 1000, ça chauffe pas, oh, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Maintenant qu'on est 1000, on va faire le procès de Pauvrelo, Familito et de Cloclopan. Comme je le disais, Cloclopan est la fille de James Bonpan. Cloclopan accuse Madame Pauvrelo Familito d'être de maltraitance, de négligence et de l'avoir portée plusieurs fois sans même la laver, d'être traînée dans les rues. Donc, ceux qui sont actuellement qui veulent participer pour défendre Cloclopan, prenez le téléphone et puis on va faire le procès de Cloclopan. Cloclo a été très 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 maltraité. Cloclopan veut retourner chez son papa. Justice pour Cloclopan. Vous comprenez? Je suis contre les femmes qui maltraitent les enfants. Cloclopan est une petite fille.
qui a passé son temps à être maltraité par Madame Provolone Familito, chose qui n'est pas bien. Et ce soir, on va faire le procès de Clocopin. Donc, ceux qui veulent répondre ce soir, je n'ai pas... Mon téléphone, je suis allée arranger aujourd'hui. On ne trouve pas écran là ici. Donc, je vais acheter un nouveau téléphone. Et puis, quand j'irai à Paris pour arranger, je vais, parce que l'autre, là, il y a trop de preuves dedans. Il faut que je... Lui qui est gardé, il y a quelques preuves. Il faut que je prenne ça. Donc, ce soir, on va écouter le procès de Clocopin. Écoutez. Tête de mort. Écoutez. Tête de mort. Allez-y, appelez. Il faut appeler. Connaissez-vous là, ceux qui veulent participer. Attendez. Waritigi. Il faut appeler. Appelle ici, Waritigi. Waritigi, il faut appeler ici. Waritigi, il faut appeler ici. Marie-Laurence, quoi la même là? Duchesse là. Je n'ai jamais dit que je suis riche, je me suffis. Voilà, il faut pas confondre les choses. Je n'ai jamais dit que je suis riche, je me suffis. Voilà, c'est une chose. Je me suffis. Je n'ai jamais dit que je suis riche, mais je me suffis. D'accord? D'accord, ça te va? Voilà. Elle est une pauvre l'eau. Une pauvre l'eau qui vend son nina en Suisse, là, mais parler à moi. Une pauvre l'eau qui dit qu'elle a fait le mariage. Regardez, mais le mariage ici. Oh, téléphone ne veut pas s'allumer. Waouh, Dieu merci. Il a 14%. Dieu merci. On va l'allumer. Oui, Marie Légué, je suis déjà une star. Je suis une star. Une businesswoman. Pourquoi tu as peur? Je suis une star et une businesswoman. Voilà. Live, pas sur le téléphone. Il faut appeler directement sur le live. Appelle directement sur le live. Waritigi, avocat de Clocopin, il faut appeler sur le live directement. Pas sur WhatsApp ni appel normal. Il faut appuyer pour participer. C'est quel avocat qui est beurre comme ça? Toi, t'es un avocat beurre. Hein? Tu es un avocat. Mireille Maya est là. Vous les admins, vous avez bloqué aujourd'hui Mireille Maya. Pourquoi? Vous bloquez Mireille. Vous savez qui est Mireille Maya? Et puis vous les bloquez? Vous la bloquez? On va français, mais quoi? Je dis qu'il faut appeler sur le live ici. Pas sur appel normal. Aïe! C'est comme ça, fait hier, parler mal. Et puis, attends, il y a quelqu'un qui veut s'ajouter là. Il faut faire appel normal comme j'ai fait avec Ibrahim la dernière fois. Mais si tu veux, tu m'envisages. Tu ne m'en. Allô. Allô. Quand je mets le volume. Oui, le volume n'est pas trop fort chez vous là-bas, monsieur. Allô. C'est citation directe qui t'a fait maigrir comme ça? Oui, on vous écoute, monsieur. Tu as maigri. C'est citation directe qui fait que tu as maigri comme ça? Attends, j'arrive. Attends, ma baffe. Tu dis quoi? C'est la citation directe qui a fait que tu as maigri comme ça? J'ai maigri, hein? Ah bon? J'ai maigri? C'est comme ça qu'on fait les lives. Attendez, je reviens. Attendez. Je reviens. Je pense qu'on fait les directs comme ça maintenant. Ça serait important.
Voilà. Appelez, 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 appelez. Allez-y, appelez. Appelons, on fait le procès de Coco. Appelons, on fait le procès de Coco. Oh là là. Pourquoi je l'ai coupé? Alisa, pourquoi je l'ai coupé? Il y a mon sel là, qu'il faut couper. N'importe quoi. Appelez, va, il faut appeler, c'est comme le monsieur l'a fait. Le monsieur qui a appelé pour insister, il faut appeler, c'est comme tu l'as, comme il a fait, qu'il faut couper. N'importe quoi. Appelez. Appelez ici. Appelez sur Facebook ici. Appelez ici. Appelez, appelez, appelez. Appelez, appelez. Est-ce que moi j'ai admis? Je n'ai pas admis. Je n'ai même pas admis. Maintenant, quand je parle, c'est pour me dire oui. Et comment on appelle ça? Tu ne fais pas. Je n'ai pas admis. Je n'ai pas admis même. Pas du tout. Je n'ai pas admis. C'est quand je vais arranger. Ils sont là, ils ont épinglé. Et puis après des morts. Attendez. Appelez sur le truc. N'appelez pas sur mon téléphone. Appelez directement sur Facebook. Et puis vous vous mettez dans le noir. Vous appelez et puis vous mettez dans le noir. Vous n'êtes pas qu'on voit sur le. Non. Warren, elle appelle sur mon WhatsApp. Depuis, je dis, il dit non, il ne faut pas appeler sur mon WhatsApp. Appelez sur Facebook ici. Où on dit participation, c'est là que vous devez appeler. Voilà. On va dire là. Ça arrive. Ça ajoute. Mais accepte. Marie-Thierry, tu n'es pas dans le réseau. Je t'ai ajouté pour accepter. Tu as refusé de. Ah, elle a refusé. Si tu refuses, je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Voilà, j'ajoute quelqu'un d'autre. Attendez, hein, attendez, je vais mettre le vif. Allô, bonsoir, ça va? Attendez, je mets le volume, mais j'entends pas. Allô, ça va? Est-ce que vous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, ça va? Mais moi, je ne vous entends pas. Mettez le volume chez vous. Le volume est bon ici, ça va? Il n'y a pas de volume, je ne vous entends pas bien. Oui, j'ai mis du volume. Il y a volume, mais Pardon? tu entends? Tu entends maintenant? Non, je n'entends pas Allô? bien. Moi, je t'entends très Oui, bien ici. je Je vous t'entends. écoute, monsieur. Oui, ça va bien, Sylvia. Oui, ça va bien chez moi. Vraiment, Oh, je j'étais sais pas où la barre s'est appelé rentrée. Hey. pour te donner encore le moral, J'entends d'accord? pas au fait ça le problème, j'entends pas. J'ai dit, j'étais Je appelé dis pour te attendez, je donner suis la le. base. Je sais pas où c'est rentré.
casque va rendre, comment on appelle ça, on dirait le bord. Tu es. Il n'a jamais vu ça. On va venir ici, oh. Attendez. Je ne sais pas où il a mis ma baffe là. Allô? Allô, tu entends maintenant? C'est pas fort, le volume n'est pas fort. Je comprends pas, c'est pas fort. Allô, moi je t'entends bien. Tu entends maintenant? Oui, je vous écoute. Oui, comment tu vas? Ça va bien? Voilà, c'est maintenant. Il faut mettre le volume. Tu mets pas le volume, puis on souffre ici. Aïe. Oui, il y a du volume. Oui, tu entends maintenant, vas-y. Oui, ça va bien, non? Ça va bien. Oui, ça va très bien. Je t'appelle depuis l'Angleterre, ça va? Oui, ça va bien. On dit quoi en Angleterre là-bas? Et la reine Isabelle, elle est là? Et elle va très bien, mais elle ne se sent pas bien. Elle va très bien. D'accord, je la salue. Dis-lui que sa collègue arrive bientôt. Ah, ok, pas de problème. Je t'ai appelé pour te donner le moral, d'accord? Il faut avoir le moral, d'accord? Ah, non, 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 ça va, ça va. Non, aujourd'hui, il faut laisser le moral là. Faut laisser le moral là. Aujourd'hui, là, c'est... Il ne faut pas te stresser, d'accord? Il faut être comme tu l'es. Et puis là, tu oublies les hommes, les moutons là, qui sont sur ta page en train de... Monsieur, c'est le procès de Clo-Clo. Tu connais Clo-Clo? Ah, non, non, c'est qui ça? Clo-Clo, c'est une petite fille qui est maltraitée par sa maman. Donc, elle veut se retourner. J'ai écrit Clo-Clo. J'ai écrit Clo-Clo. Non, elle veut... Allô? Oui, c'est les gens qui appellent là. Ah, c'est pourquoi? Je dis que c'est son procès aujourd'hui. C'est le procès de Clo-Clo. Non, je ne connais pas Clo-Clo. C'est qui ça? Clo-Clo, elle a été maltraitée par madame, pauvre, le familito. Ah bon? Ah bon?